c'est Indy et le petit beau gosse que je tiens là, c'est Vegas. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire le bon plan que j'ai dégoté pour vous. Vous voyez les lentilles, et ben j'ai réussi à avoir un code à moins 25% avec le code INDY25. Comme ça, vous allez tout tuer à Halloween, je vous le promets. C'est parti pour le tuto. Alors avant de commencer, je voulais juste faire un petit aparté sur ces petites oreilles de chat trop mignonnes que j'ai eues sur Amazon à 1€ et sans frais de port. Allez! Ensuite, il faut savoir que mon teint est déjà fait et que je vous donne les produits tout simplement. Maintenant, je passe au contouring qui va être de couleur bleue avec un produit qui vient de chez NYX et un pinceau spécial contouring de Zoeva que j'ai trouvé sur The Beautist. Pourquoi j'ai pris ce pinceau? Parce que c'est un pinceau petit pour le contouring et assez précis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le NYX Sauvage, c'est un bleu beaucoup plus foncé et je vais vraiment le concentrer pour créer un effet d'ombre plus intense. Je prends le noir, vous voyez le Primals Color bleu, ben j'ai le même en noir et je vais l'utiliser pour combler mes sourcils tout simplement. Attention parce que ce sont des fards hyper méga giga pigmenté. Donc essayez, enfin évitez surtout de vous tromper parce que les erreurs sont difficilement rattrapables. Pour commencer le maquillage des yeux, je prends ma palette, ma fave ever et la teinte Gonzo, donc c'est-à-dire la Electric Palette. Et je prends un pinceau qui vient de chez Kiko, un estompeur, et je place la matière dans le creux de l'œil. Ensuite je prends la teinte la plus foncée, KO. Et c'est un bleu mais vraiment sublime et je le repasse au-dessus. Comme ça, ça va créer un dégradé assez naturel avec des belles nuances de teintes bleutées. Avec un pinceau Zoeva, je reprends KO et j'en rajoute de plus en plus dans le coin externe et interne de l'œil, mais je laisse un espace au milieu de ma paupière. Cette teinte KO, j'en rajoute une autre au-dessus et elle s'appelle Fringe et ensuite le noir de la Primals Color. En fait, le but c'est de faire des belles nuances de bleu, donc d'y aller petit à petit. Vous commencez d'une couleur plus claire à une plus foncée pour terminer finalement par du noir. C'est hyper simple. Waouh, waouh, waouh! Cette teinte de NYX, la teinte Gélure, c'est vraiment une tuerie et ça va vraiment changer le make-up, apporter la touche de brillance que je souhaite et de nuance. Cette matière, je la place tout simplement sous l'arcade sourcilière et aux endroits où j'ai laissé, enfin où je n'avais pas encore appliqué de fard à paupières, c'est-à-dire au milieu de l'œil. Le dessous de l'œil, c'est exactement le même principe que le dessus, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes nuances de bleu dans le même ordre. Sauf que cette fois-ci, je vais rajouter un petit design au niveau du coin externe et du coin interne de l'œil. Je prends le plus beau de tous les eyeliners de la collection Vivid Bright de NYX, le bleu saphir, et je rajoute vraiment un trait tout droit, mais vous allez comprendre pourquoi. Je passe maintenant au design du clown avec la teinte Gélure, ensuite Gonzo, ensuite KO, et pour terminer un peu de sauvage. Vous avez remarqué, c'est exactement les mêmes couleurs qu'on a utilisées précédemment. Juste évitez de trop les concentrer, jouez vraiment sur les nuances, mettez plus de gélure que sauvage par exemple. C'est parti pour l'étape du dessin avec une crème de body painting qui vient de chez Snazaru et qui est une des meilleures marques et les plus faciles à utiliser. On dilue juste un peu le produit avec de l'eau et c'est disponible chez Cultura, c'est ça qu'il faut savoir. Donc je n'hésite pas à tracer les traits d'un clown, c'est-à-dire en haut, en bas, rajouter des points et surtout une petite ligne très très droite au coin externe de l'œil. Avec mon eyeliner blanc que vous devez connaître par cœur, maintenant je rajoute des petits points blancs par-dessus. Bon, essayez de varier la taille des points et surtout de pas trop en concentrer parce qu'on va en rajouter des bleus avec l'eyeliner saphir de tout à l'heure. Cette fois-ci, je rigole vraiment pas sur la transformation et j'utilise en plus d'une perruque, des lentilles et c'est les white out. Vous voyez, ça change carrément le regard, maintenant on devient un peu plus méchant. Et j'y rajoute les fossiles de NYX exagérés. Bon, ils sont pas encore disponibles en France, c'est normal, ils arrivent en décembre. Sans oublier les fossiles individuels, deux au coin externe et un au coin interne. Bah ouais, j'ai fait vraiment le regard de bichette qui tue.
Pour les lèvres, j'ai utilisé le Jellies, c'est la marque Colourpop et c'est uniquement disponible sur thebeautiste.fr. Voilà, tout simplement, et pour rajouter un effet de dégradé, toujours pour jouer sur les nuances, je rajoute la teinte gélure au milieu de ma bouche. Je reprends ensuite le Primals Color de couleur noire, je peins mon cou en rajoutant un léger dégradé, c'est-à-dire que plus on monte dans le cou, plus c'est noir, et un peu d'eyeliner juste après pour rappeler les yeux. Et la transformation est maintenant complète, plus qu'à mettre la perruque et rentrer dans le rôle. Et voilà, vous êtes prêts pour Halloween. C'est un bel intermédiaire et moi je vous fais plein de gros bisous.